Aujourd'hui, direction Paris. Pas grand monde, hein. Pas grand monde qui circule aujourd'hui. C'est très très calme. Je crois que je vais commencer à y aller à pied. Tu as avancé. Ça se voit quand même que c'est écrit Paris. Oui, j'ai pas écrit trop petit. Ah, ben c'est bon, ça se voit. Ah, la voiture qui arrive. Enfin, à Paris. Direction Paris. Direction Paris. Ouais, Paris. Paris, s'il te plaît. Tu vas pas à Paris? Ah, elle va à Paris. Ah, vous allez pas à Paris? Bah putain, mais c'est pas possible, sérieux ça. Ah, personne qui veut me prendre, c'est quoi ça? Ah, une deuxième voiture. Ah, celle-là, elle est pour moi. Celle-là, elle est pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi? Ce serait pour aller à Paris, s'il vous plaît. Ouais. Vous n'allez pas à Paris. Allez, c'est parti, gros. Allez, c'est parti. Oh, dans le bolide. Allez, on y va. On y va. Enfin, ça fait une heure, j'attends. C'est pour aller où? Faire quoi? Je vais chercher une bécane. Ouais. Une petite bécane. Pardon, tu... Tu mets ta ceinture de... Ah putain! Quel dangereux! Tu cherches une bécane? Ouais, une petite KTM. Allez. Un petit 6. Moi aussi, je suis motard. T'es motard depuis longtemps? Motard, je viens d'avoir mon permis il y a même pas un mois. Ouais. Et du coup... T'as flashé sur la KTM? J'ai trouvé une moto, j'ai flashé. Bon, par contre, il y a un petit problème, gros. On n'a pas de remorque. À la limite, ce qu'on peut faire, gros. Faire. Moi, je peux peut-être avoir une remorque. Pour demain. Demain. Mais c'est pas tout de suite, demain. Ouais, on ira demain. Donc, si tu veux, gros, demain. On se donne rendez-vous. On se rejoint. On se rejoint. Moi, je serai là avec la remorque et on part et à Paris et c'est parti. C'est parti. T'es prêt? Moi, je suis opération. Est-ce que les gars, vous êtes chauds, vous? Est-ce que vous êtes chauds? Épisode 1. C'est parti. Greg en Y, let's go. Synchronisation. Oh, comment c'est ouf. Grégoire, bonjour, enchanté, enchanté. Mon gars, j'ai fait un wheeling vénère en sortant. Si gros, ça va? Ça reste 2 heures pile de route là gros? Ouais. C'est quoi, c'est beaucoup d'autoroutes ou? Ouais, c'est beaucoup d'autoroutes. Encore, et on serait passé par des petites routes, ce sera encore pire. Hein. Ouais. C'est tombé. Voilà, le mien me dit 1h50. Ouais. 200 bornes quand même, ah ouais. Non. T'as vu, il y a de la neige ici? Dans les. À droite, il y a de la neige. En autoroute, on a un coup de fil. Tu ressors de l'autoroute et tu fais... Ah ok. Et là imagine on arrive là-bas la moto. Plein de griffes. Oh non. Ouais, t'as bien parlé moi avec le mec, t'as bien dit c'est pas la route pour rien, tout ça quoi. C'est une 2014 c'est ça? Ouais. 2014. Elle a pas été repeinte ou quoi déjà? Non. Elle était noire d'origine? C'est un kit déco. C'est un kit déco. Fais voir la photo un peu. J'ai un troisième kit déco. Un noir, mais il l'a jamais monté sur le kit déco. Ouais, j'ai vu en photo. Mais ça, c'est un kit déco, ça? D'accord. Bah non, les coques sont noires d'origine. Hein? Les coques sont noires d'origine. Bah, c'est un kit déco. Bah, ouais, ah non, c'est des coques. Genre, ton kit déco d'origine. Sur la troisième page. C'est le blanc, orange et noir. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il est comme ça. Ah mais là c'est les coques noires qui disent en terre peinte ou c'est des coques noires d'origine? Qui alors? Les coques noires gros.
Bah ouais, c'est des. Bah c'est pas d'origine, hein. Parce que d'origine elle est blanche. Ouais, ouais, c'est un kit de monde, donc ça ne tire pas. Mais non, c'est un kit déco. Le kit déco d'origine, il le donne avec. Mais non, c'est pas un kit déco, c'est des coques sur noir. Ouais, c'est des coques en plus, je veux dire. Voilà. Ouais. C'est pour moi, bah c'est un kit déco. Parce que comme le troisième, c'est un kit déco aussi. C'est le kit des coques. Et les pneus là, c'est interdit, non? Hein? Les pneus du milieu là. Il y a deux pneus pistes et deux pneus route. Mais ils sont trop beaux ces pneus. Mon gars, Romain, la gueule qu'il va faire quand t'auras ta moto. Oh, je vais passer devant chez lui. Je vais m'arrêter devant bah chez lui. Bah ouais. Bien que toi, il y aura 5 viandes quand il y en a deux, t'inquiète. Et t'as rendez-vous avec le mec devant chez lui ou sur un parking? Non, chez lui. C'est lui. Ça, ça inspire confiance. Ouais. Bon, là, on est bientôt arrivé, je pense. On se dit à tout de suite. Bisous, abonnez-vous. Ça va, ça va, ça va. Oh putain, elle est là. La bête. Alors, gros. Et il y a 5200 km. Ouais. Là, je tiens, on a vu 1002, j'ai fait 4000 km en presque 4 heures. C'est rien du tout. Et en un été, j'ai fait facile 3000 bornes. Ouais, mais moi, dès que je pars quelque part, je la mets sur la remorque. Ah ouais, bah ouais. Donc okay. Quand je la prends, c'est, je vais voir les copains à la montagne. Ouais, c'est bon. Elle fait 600 km sur la remorque et puis après, je fais 600 km sur place, quoi. Et le lendemain, je rentre. Si je voulais faire un petit tour sur le circuit, c'est pareil. Enfin, voilà, je l'utilise pas du tout pour tous les jours en ville ici. J'ai un scooter. Ouais, ici c'est plus pratique. Bah ouais. C'est obligatoire. C'est comme la voiture automatique ici, c'est obligatoire. Bah si. Ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu l'avances? Tu vas regretter. Elle me dit, c'est une connerie. Dans 6 mois, tu vas me dire, je vais m'en racheter une. Je dis, écoute, pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, la dernière, celle-là. Avenue. Ouais, grave. Moi, je suis jamais monté sur une moto de ma vie, donc... Oh là là. Ah ouais. Eh, ça y est, là, il... C'est bien, elle est bien. Ouais, si. Elle est bien, franchement. Elle a des pneus et tout. Tu vois? Elle est belle, hein, putain. Wow. Elle est belle, mon gars. Ah, ça va, j'aime bien. Et niveau consommation, ça consomme pas des masses non plus, non. Ça, ouais. Franchement, non. Ouais. Alors, ça dépend ce que tu fais. Mais sur les petites routes, t'arrives à faire 200 km. Ah, ouais, ouais, pareil avec la mienne. T'arrives à faire 200 km. Plus c'est sport, plus tu vas... Oh putain, le terrain rapide. La moto. Et le frein, à mon avis, doit être bien violent. Hein. Oh putain. Je peux monter dessus vite fait. Ouais, j'ai compris. Hein. J'ai jamais monté sur un sur. Oh, comment c'est haut. Ah ouais. Putain, par rapport à la mienne. C'est haut, ouais. Main. Ouais, mais moi, ça. Et c'est. C'est vraiment spécial, hein. Là, par rapport à la mienne. Ouais. Oh. Putain, c'est deux fonds, ce moment. Je pense que ça doit être. Ouais, beau petit wheeling, ça. Ça a parti en Y. Oh, le frein. Putain. Rien à voir avec la mienne, purée. Comment c'est haut. Oh, putain, j'aime bien. Après, t'as un système de sangle. Oh, alors, nickel après, ça. Soit tu te la mets là devant, ouais. Mais le problème quand tu la mets au-dessus, ouais, c'est que tu peux pas accéder trop à la clé. Après, à la clé, ouais. Mais ça, c'est bien quand tu pars en balade. C'est clair, c'est utile. Et ouais, puis c'est vite démontable, quoi. Ouais, monter. Ça, ouais. Là, ça t'as marche. Vraiment de quoi rhabiller la moto. Ouais, je peux en faire une, ouais, voilà, juste un moteur. Et là, t'as deux plaques phares. Ouais. Ça, c'est de l'amour. Oh non, non.
c'est pas une gueule. On peut pas sortir. Ah, j'essaie, laissez-moi le faire. Ah, c'est comme ça. Tu tires, on va à fond derrière. Vas-y, tout ça à fond. Bon, Greg, t'es content sinon? Ouais. Il teste son cadeau de Noël là. En avance, en avance, en avance. C'est gros, ça va? Je savais que j'allais croiser quelqu'un ici, c'est sûr mec. Maintenant que le gamin il est bien équipé, que sa moto sera rebridée, et ben on va pouvoir attaquer les choses sérieuses gros. Dis-le que t'es dégoûté quand on l'a bridé. La KTM la 690, j'ai toujours j'ai flashé dessus en fait.